expérience carbone. Expérience carbone. Voilà. Mm-hmm. Donc cette frise n'a fait au marché toujours. Mais il peut te remonter groupe là. Non. Non, frise, non, non, non. Il était qu'à sélectionner. Ah. Il était qu'à faire sélection là pour te faire hommage à les maîtres K. C'est-à-dire pour te remercier les maîtres K. Parce qu'ils font un trophée pour te découvrir. Chaque monde s'était fait sur la Bastère. Mm-hmm. Bon, Pichon. Et c'était Maché et c'était Alex Nabis, non? Alex Nabis qui était patronné. Pichon. Voilà, c'est qui était patronné et projet là ça. Mm-hmm. Et sous la demande de Fouiz Naferia Marcheron, il fait sélection à ces musiciens-là, à ces tambouillés-là. Donc, il était capable de passer en chaque groupe et prendre les meilleurs éléments. Donc, en Gaoulé, mon nom était récupéré en Gaoulé, c'était moi, Fred Anastase et Léon Montella. Léon. Voilà, Léon, parce que Léon fait partie des maquets. Mmh. Parce qu'en Gaoulé, musique, nous avons 4 Marocains. Kalouda, Léon, Fred Anglansaz, Marcel Escaille. Marcel Escaille. Et t'es mis 4 boules aussi. Et c'est comme ça parti. Donc après la sélection là abouti, donc nous commençons les répétitions. C'est-à-dire que Armand et Fils ont déjà fait pièce là, pièce là déjà si bonne quoi. Donc ils ont fait des sections. C'est-à-dire que Gaoulé était une section là. Côté les autres, dans les autres groupes aussi, c'est d'ailleurs chaque groupe tenait un nombre de musiciens sélectionnés, arrêtés. Et Fouiz a fait plusieurs cassettes avec montage rythmique là. Et nous avons travaillé sur ça. Et le week-end, tout le monde a réuni en fort là, en gosier, pour te mettre en place section rythmique là. À chaque monde là yo intervention à chaque monde et c'est comme ça ça démarre jusqu'à le jour où j'ai pu te descendre basté. Donc t'es non pas t'es non le monde à l'époque à dans cabane pas t'es cabane là quoi voilà là à partir même cabane là. Ah, ok. Cabane diminuée. Tout le monde est là, Yves est là, Domide Le Ton est là, La Viso est là, comme chanter, Fred Azed. Oui, Fred Azed. Fred Azed est là, et François Ladrezo, tout ce monde est là, et Nedge, tout ce monde est là, Joby Julienne, tout ce monde, au départ, tout ce monde est en section là, Marcel Mania, tout ce monde est là. Oh, c'est donc, à Bastère, c'était. Un immense big band quoi. Oui, on comprend. Ah, big band car. Ouais, c'est un immense big band. Ouais. Voilà, et c'est comme ça ça démarre. Il y avait tous ces monde là ça. Et moi, en tant que toujours pas considéré moi comme jeune. En milieu à tambour là. En tout avec tout ça grand monde. Ouais, de mettre. Ouais. Pas dit ouais, tout ça grand mettre à tambour. Toujours pas considéré moi à l'époque petit. A toujours fait moi petit. Côté ces monde là ça. Mais on parlait de Big Bang Car. Parle-moi un peu aussi cette expérience là aussi Big Bang Car. Qu'est-ce que ça partie aussi ça Big Bang Car? Ben Big Bang Car. Alex Nabis, du côté à la base, ça, il me semble. Oui, c'est Alex Nabis. Mais Big Bang Car, c'est le Big Bang Car. Mais en même temps, quel était le concept? Ça nous devait faire passer à travers Big Bang là. C'était aussi en école. Ok, ouais. En école. Parce que en Big Bang Car, là, c'est la ténacité, la rigueur, la perfection, l'observation. La technicité, c'est-à-dire tout ce qui est placement des frappes, rythmique, mais c'est-à-dire chaque rythmique doit être mis en couleur bien précis. Une forme de rigueur. Oui. Voilà, faut pas ni bavure. Donc c'était en forme d'école pour tout le monde qui était là et tout le monde qui était en même temps à l'extérieur de Big Bang là aussi. Vous savez, le Big Bang c'était ça. C'était pas un Big Bang juste pour dire un Big Bang. En Big Bang car non Big Bang c'était une expérience mais une expérience de perfectionnement et si tu es venu en Big Bang ça te permet de vous de travailler et de perfectionner aussi surtout les rythmiques parce qu'en Big Bang là c'est pas seulement
les pièces montées quoi. Mm-hmm. De quoi passer sur les rythmes de la tradition aussi. Mm-hmm. Parce que ni les pièces montées mais on est à coup de la tête à dents. On est dans passage à ton coup là. On est dans passage à ton black là. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'était les rythmes forts. Mm-hmm. Nous t'ai pas fait passer à travers à Big Band là. Mm-hmm. Mais en tout ça, c'était ni travail. Mm-hmm. Beaucoup de temps. Et moi, d'un côté, moi ça va pas travail instrument, ça va pas gêner moi. Travail tambour. Oui, alors l'expérience avec Owal Niçoise, premier album là, parlez-moi de ça. Owal Niçoise. Si c'est moi parler de Owal Niçoise. Non, juste senti synthèse par contre, pour me dire ça au fait. Nous, la conception. Nous cousins. Mm-hmm. Parce que grand-mère Owal Niçoise, c'est tante à moi. Mm-hmm. Donc nous cousins j'ai eu. Nous passons ça, ma carte ça aujourd'hui. Mm-hmm. Donc là où elle était parée pour faire premier album. Ouais. C'est moi qui crie. Donc okay. tous les rythmiques, c'est moi qui fais. Tous les marquages, mm-hmm. c'est moi qui fais. Ou que tant si premier album là ni un seul morceau ta coupe. Mhm. Fais-toi. C'est Alain Jeanne qui fait bail. Alain Jeanne Gozé. Oui, du tout. Voilà. Mais tous les autres morceaux là, c'est Marcel Skaé, Omar Oké et Oboula. Voilà, expérience merveilleuse Owal Niçoise, c'est ça. Mais on est toujours honnête nous. Mm-hmm. Et papa Owal Niçoise, c'est Pointe Noire. Et c'était meilleur danseur gros cas qui à l'époque c'était meilleur danseur gros cas qui tenait en génération aille, sous la côte soulève. Mm-hmm. Donc mais les meilleurs danseurs de c'était papa Owal et il est au Francis parce qu'il est au Francis vécu à Pointe Noire. Caribana. Non. Il est Francis Caribana. C'est Caribana. Non. Il est au Francis, c'est pas du Caribana. Francis, c'est les premiers pas de il est au Francis c'était un Caillou Combo Club. Premier groupe oui, oui, au début, à la jeunesse. Ouais, ok. Il est en français, c'était enseignant à Pointe-Noire. Ouais. Et en tant qu'enseignant, il intégrait Caillou Combo Club. Ouais, okay. Et après, il vient déplacer, il tirait Pointe-Noire, il montait enseigner à Bouillante. Et c'est là qu'il créait Caribana. Ok, merci pour le. Ouais. Et après Bouillante, il vient déplacer encore, il montait la Pointe. Mm-hmm. Et c'est là qu'il chahait, il tirait Caribana Bouillante. Il montait la pointe éveillée. Mmh. Voilà, mais c'est pas au coup là ça. Mmh. Pour Caribana. Ok.